Paul, vous avez participé à la robe de ma vie sur M6 avec Christina Cordula. Vous êtes ici au Mont aujourd'hui pour... Oui, parce qu'on n'est pas en tournage. On participe toujours bien sûr à la robe de ma vie. On fait beaucoup maintenant Marié au premier regard sur M6. Et effectivement, on a entamé un tour de France un petit peu où on vient avec notre marque parce qu'on a lancé depuis notre marque de robe de mariée puisqu'on a des boutiques de robe de mariée en parallèle. Et on fait le tour de France chez nos partenaires qui diffusent notre marque pour créer des petits événements comme ça où on peut voir enfin nos fans, les gens qui nous suivent, etc. sur les réseaux et ça nous fait bien plaisir. C'est important d'être près de vos fans. Ah bah oui, c'est très important parce que on fait ça pour eux hein, avant tout. Hein. On essaie de leur trouver des robes pour convenir à leurs besoins, à leurs demandes et puis ça nous aide aussi à nous améliorer au fur et à mesure. Et à tester des nouveaux modèles quoi. Alors justement les nouveaux modèles, vous pouvez nous les présenter un petit peu ces nouveaux modèles? Bah, vous savez j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que si je veux vous parler un peu des tendances, on est revenu pas mal au bustier. Les manches bateaux plaisent toujours autant, alors peut-être à mon avis pour un côté technique, parce qu'il y a beaucoup de mariés qui veulent cacher un peu le haut du bras, mais on a un petit peu moins décolleté très plongeant, voilà, on revient vers des valeurs du mariage qui sont connues et un peu plus classiques. Alors, est-ce difficile de choisir sa robe ? Je pense qu'il faut déjà une bonne pincée d'amour avec son entourage. Je pense qu'il faut des ondes positives parce que quand on vient dans l'optique de la trouver, c'est déjà un bon premier pas. Et ensuite, il faut faire confiance. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis tous les jours puisque les gens viennent pour mes conseils, pour mon expertise de professionnels et ils me connaissent, donc j'ai cette chance-là. Et effectivement, si on écoute mes conseils par rapport à leur morphologie, enfin, j'ai l'habitude de dire que franchement, il vaut mieux une belle mariée qu'une belle robe de mariée. Alors justement, quels sont les critères pour choisir sa robe? Alors à 80% déjà, respecter sa morphologie. Et moi, je suis à l'inverse de tous mes collègues qui vont vous dire il vous faut une robe qui vous ressemble, etc. Moi, je dis que c'est un jour unique. C'est un jour particulier et qu'au contraire, il faut essayer de sortir de sa zone de confort et d'essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé. Voilà comment, si on veut le wow, il faut déjà commencer par s'étonner soi-même. Alors, il y a aussi l'essayage, primo, et puis secondo, il y a les mesures que vous... Bien entendu, c'est là que vous bien sûr, fait. Une fois que la personne a trouvé sa robe, qu'elle me dit la phrase magique « j'ai trouvé la robe de ma vie », eh bien, on lui prend ses mensurations et on la commande à ses mesures. Et à peu près 5-6 mois plus tard, elle reçoit sa robe. Et puis, on lui fait bien sûr les petites retouches qui manquent, l'ourlet, des petites pinces poitrine, etc. Alors, vous êtes entouré d'une équipe de combien de personnes, justement? Parce qu'il n'y a pas que vous. Non, là, on est venu à 3 ou 4. Et puis, il y a toujours... parce que comme on travaille avec notre partenaire, toujours de local, quoi, il y a toujours l'équipe aussi du partenaire qui est là et qui va suivre aussi les clientes jusqu'au bout de leur mariage. Merci Paul. Il y a un site internet, il y a... Bien sûr, il y a paulenathalie.com, il y a plusieurs sites hein, d'ailleurs, il y a déclaration mariage, confidence mariage, parce qu'on a plusieurs spécialités, hein, jusqu'à Formidable qui est la ligne pour les femmes pulpeuses. Donc vous voyez, on essaie de convenir à tout le monde. Eh bien Paul, merci beaucoup. Merci à vous.